C'était un gros baluchon en tissu jaune orné du logo circulaire de la marque Converse. Recouverte d'une fine couche de poussière, sa toile s'était décolorée. Autrefois moutarde, elle affichait à présent un teint pisseux qui trahissait son âge. Le sac était trop lourd pour être honnête. Aussi excité qu'angoissé, j'ouvris la fermeture éclair en redoutant ce que j'allais y trouver. Putain J'avais raison de m'inquiéter. Il était rempli de liasses de billets de banque. Je reculai d'un pas, comme si le fric était vivant et allait me sauter au visage. Karadec renversa le contenu sur la table, principalement des coupures de 50 et 100 euros. L'argent s'éparpilla sur le comptoir, formant une pyramide affaissée aux fondations précaires. Il y en a pour combien Il compta quelques liasses et plissa les yeux en effectuant un calcul mental. À vue de nez, je dirais environ 400 000 euros. Qu'est-ce que tu as fait D'où vient ce fric, selon toi demandai-je, sonné. Pas des consultations d'Anna à l'hôpital, en tout cas. Je fermai les paupières un instant en me massant la nuque. Une telle quantité de cash pouvait provenir d'un braquage, de la vente d'une quantité astronomique de drogue, d'un chantage auprès d'une personne très fortunée. Quoi d'autre À nouveau, la photo des trois cadavres carbonisés fit irruption dans mon esprit. Il y avait forcément un lien avec cet argent. Mais lequel T'es pas au bout de tes surprises, mon gars. À l'intérieur du sac, dans une poche latérale zippée, Karadek venait de trouver deux cartes d'identité illustrées d'une photo d'Anna à l'âge de 17 ou 18 ans. La première était au nom de Pauline Pagès. La deuxième de Magali Lambert. Deux noms qui m'étaient inconnus. Marc me les reprit des mains pour les observer attentivement. Elles sont fausses, naturellement. Déboussolé, je laissais mon regard fuir par la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Le soleil ruisselait, impassible, sur les façades de l'immeuble d'en face. Une guirlande de lierre s'enroulait autour d'un balcon. C'était encore l'été. Celle-ci, c'est de la merde affirma-t-il en agitant la première carte. Une mauvaise copie fabriquée en Thaïlande ou au Vietnam. Pour 800 euros, tu peux en trouver une dans n'importe quelle cité un peu craignos. Un truc de toxico. Et la seconde Tel un diamantaire devant une pierre précieuse, il ajusta ses lunettes et scruta la carte de son œil d'expert. Ça, c'est nettement mieux. Même si ça date pas d'hier. Fabrication libanaise ou hongroise. 3000 euros environ. Ça résistera pas à un examen approfondi mais tu peux t'en servir sans crainte pour la vie de tous les jours. Le monde se mit à tourner. Tous mes repères s'effondraient. Il me fallut une bonne minute pour reprendre mes esprits. Au moins, à présent, les choses sont claires. Trancha Karadec. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à remonter la piste du passé d'Anna Becker. Je baissai la tête. À nouveau, la photo atroce des corps carbonisés fractura mon esprit, avec la petite voix d'Anna qui me murmurait ⁇ C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça ⁇